Bon, j'ai dit Guédio, comme j'ai dit un peu plus tôt, on prend le bon fil, hein, du white, là. Toujours, toujours, toujours du blanc. Dans mon cas, moi, en tout cas. Et puis là, ben, tu commences ta tête. Tu te fais un fond, aller jusqu'en avant, puis tu reviens en arrière. Et puis là, ben, tu te prends une patch de chevreuil, une bonne pincée, et puis tu nettoies ça aussi avec un petit peu, bon, une bonne pincée, comme ça, OK? Puis comme tu peux voir, il y a un sous-poil là-dedans, hein, tu regardes au-dessus, là, tu le vois, là, tu le vois facilement. Fait que là, tu prends une brosse à chaud. Bon, tu peux prendre un peigne, tu peux prendre n'importe quoi, mais du moment que tu le nettoies, hein, et voilà. Bien. Et voilà. Puis ensuite, ben, tu essayes d'enlever ce qui n'est pas bon, là. Puis là, ben, moi, ce que je fais, je le rentre dans un air packer, OK? Air packer, c'est ça, cette affaire-là, là. Bien, là, ben, je rentre la touffe à l'intérieur. À l'intérieur, comme ça. Peut-être un petit peu. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. J'en ai manqué un bout. Voilà. On enlève l'excédent. Qu'est-ce qui sort? Et voilà. Puis là, ben, on égalise. Et voilà. Un coup qui est égalisé, tu vois, là, il est bien égalisé. Puis là, ben, tu vois, là, la longueur, ça, c'est une numéro 8. L'hameçon 79-180, numéro 8. Jamais dépassé. Faut que tu laisses au moins un quart de pouce derrière, ici. OK? Fait que. Pas en arrière de même, là. Pas de même. Ici, comme ça. Un quart de pouce. Fait que là, tu prends ta mesure, tu arrives avec ça ici. Là. Ça, c'est ta mesure sur ici de ton poêle. OK? Fait que là, tu prends ton poêle, tu le prends comme ça au-dessus, là. Avec ton pouce, là. Puis là, avec tes ciseaux, tu coupes le maximum. Mais il faut que tu t'en laisses assez là, pour faire une colorette. Et voilà, au-dessus, là, t'es comme ça. Et puis là, ben, tu arrives par-dessus, comme celui-là ici. Tu fais un tour, deux tours, puis là, tu descends un peu dedans. Puis là, tu tires. Et voilà, un, deux, trois, that's it, pas plus. Là, avec une bébelle de même, tu peux prendre aussi un stylo. Hein. Un stylo bic, tu enlèves l'angle qu'il y a dedans, là, puis c'est exactement la même grosseur. Là, ben, tu fais ça de même. Et voilà. Tu recules ton poil. Tu fais un, deux, trois. Toujours trois tours, pas plus. Puis avec une petite goutte de colle, t'en viens coller ça en dedans ici. OK? Pas plus. Toujours pas plus. Puis là, ben, tu t'en prends une autre touffe de poêle. Même chose. Même grosseur. C'est que... Tu fais la même chose. Tu t'en viens nettoyer avec ta brosse. Moi, c'est une brosse. Hey, ça fait 25 ans que j'ai ça. Il est magané en maudit. Il manque des pines d'acier dessus. Fait que... Et voilà. Là, tu l'égalises, OK? Tu
Tu le légalises un peu comme ça. Pousse le vois bien, là. Oui, OK. Puis, en arrière, tu coupes tes pointes en arrière, ici. Bon, tout le monde va. Je vais aller le couper, là, puis je vais te le montrer après. Et voilà, tu vois en arrière, là. Je ne sais pas si tu le vois bien, là. Ouais, tu le vois. Tu le légalises. Et puis là, ben, t'en viens faire ta tête. Un. Deux. Tu tires un petit peu, comme ça. Juste un petit peu, petit peu, petit peu, petit peu, petit peu. Puis là, tu le laisses tourner. Et voilà. Hein? Tout le temps, pas plus que trois tours. Toujours avec ton... T'as bien poussé ton poil. Et voilà. Pour dégager la tête de l'hameçon. Ça, tu peux tirer, tu peux... Et pas peur de tirer sur ton fil, hein. Fait que... Parce que c'est du bon fil, ça. Ça, ça casse pas, ça, ce fil-là. Un, deux et trois. Tout le temps, trois tours. Puis avec ça, tu fais ton nœud. Et voilà. Ton nœud. Un, deux. Et voilà. Et tu t'es bien dessus. Puis tu viens couper ton fil. Et voilà. Puis là, ben, un petit peu, je vais placer mon... Et voilà. Et puis là, ben, je vais me mettre ça. Là, tu coupes ton... Oups. Un petit peu gros là. Ça cote sa tête. Pas très peu. Et voilà. En dessous, ben, tu t'en viens ici, en dessous, là. Toi, ta hampe, là, est comme ça. Tu t'en viens tard. 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 Okay. Là, tu t'en viens en angle, là. Plus tu rapportes. T'en viens en angle, là. C'est toi qui décides, là. C'est pas la mer à boire, là. Hein? Tout le temps, en dessous, ici, là, tu suis tout le temps ta angle. Et voilà. Bon. Là, je fais ça pour enlever le poil, là. Au lieu de souffler dessus, là, puis ça revole partout, là. Ben, je fais ça de même. Puis là, ben, je m'en viens ici. Ben. C'est toi qui décides. Sur le tour de ta collerette. Là, ben, dans mon cas, à moi, c'est pas pire, là. Tu peux le laisser comme ça. Est correct ta tête. Moi, ce que j'aime faire, je vais te le montrer. Ça, ben, si tu décides de le faire, ben, bravo. Moi, je fais ça. Ça fait une fichue de belle tête. Pas bien noir, hein, ma tête.
Faut pas que tu laisses traîner, Christino. Parce que ça brûle en maudit du poil de chevreuil. Hein? Un coup qui est brûlé, et noir. Là, tu peux prendre tes ciseaux, tu peux prendre n'importe quoi, quelque chose pour gratter. Là, tu grattes. Ça fait une très belle tête. Égale, tout. C'est, même que ça fait disparaître tes coups de ciseaux. Ah ben, ça dégage ton hook, ça dégage ton anneau et c'est en avant. Okay. Et voilà. Puis après ça, ben, une petite goutte de colle en avant. Tu passes ta doigt, ton pouce. Tout est beau. Ben, tu ne touches plus rien. Ben voilà, c'est ça qui est ça. Je te remercie bien, capitaine.